Donc je crois que c'est en rapport avec le setting du film, comment on dit ça, l'Erasmus. Parce que donc on est en échange dans un autre pays et c'est assez dur de former des relations stables à l'Erasmus. C'est un peu comme une summer camp, comme si on est petite et on passe des vacances avec des autres jeunes. Et donc, je pense que ça, c'est unique avec Erasmus. Quand c'est, pour beaucoup de gens, c'est un temps très spécial et on forme des relations très... intense. Mais après, il y a toujours la question ce que ça devient avec cette relation, avec les amis qui va retourner dans ses propres pays. Et pour ça, le film, au fin du film, c'est un peu plus ouvert. Ouais. Non, c'était très important pour moi de raconter l'ambiance d'un été. En fait, l'idée avec la chanson d'été, la tube d'été, c'était de vraiment donner le film une ambiance de la nostalgie. Et donc, on a choisi de tourner le film sur film et pas sur une caméra numérique, parce que ça donne au film une ambiance de la nostalgie et un peu le look des films des années 60. Ouais. En fait, je pense que c'est un peu... l'idée, c'était de raconter une comédie romantique à l'inverse, parce que ça commence avec la nudité et le sexe et l'intimité corporelle. Mais je pense qu'en ce moment-là, en particulier en Erasmus, avec le truc que les gens vont retourner à ses propres pays, c'est plutôt difficile de parler de la vraie émotion. Et pour ça, ça commence avec le sexe et au fin, il y a une déclaration d'amour très pas trop claire. Ouais. En fait, j'ai appris qu'il y a déjà plus d'un million de bébés d'Erasmus. Et donc, ça vraiment rapproche des gens, des autres pays. Mais aussi, je pense que maintenant, avec le système de l'université, avec le bachelor et le master, c'est plus facile de faire ses études entre des autres pays et avec la citoyenneté, comment on dit ça ? Citoyenneté européenne, parce que moi j'ai passé 4 années au Royaume-Uni et c'était très facile d'habiter là-bas grâce à l'Erasmus et la liberté que la citoyenneté européenne m'a donnée. Ouais. Donc, quand j'écris les scénarios, j'ai eu besoin d'un... dans les scénarios de Hitchcock, il y a le mot le MacGuffin. C'est une chose que les gens cherchent et qui avance le plot, l'histoire. Et donc j'ai eu besoin de quelque chose pour lequel il va se rencontrer toujours. Et donc c'était l'idée de sa bourse qu'il a laissée à... Et le choix des objets est symbolique pour vous ou pas ? Non, pas trop. J'ai pas pensé que ça pourrait être aussi un téléphone portable. Mais donc la bourse m'a donné... À la fin, c'est le téléphone portable. Oui, à la fin, c'est le téléphone portable. On est bien dans une histoire de communication et ouais. De rester en contact ou pas. Oui, mais juste... pour la nécessité d'une comédie, la bourse m'a donné des opportunités de créer des scènes comédiques parce qu'elle n'a pas la façon de payer pour sa propre même. Et donc, ouais. D'accord.
Donc c'était très important pour moi parce que en rapport avec l'authenticité. Et donc on a commencé à chercher des étudiants qui font son Erasmus à Munich, mais on n'a pas trouvé des acteurs. Et j'ai travaillé avec une casting director, comme on dit, un directeur de casting à Berlin qui nous a aidé de chercher les acteurs en Espagne, mais aussi en Italie et toute la Scandinavie. Et moi j'ai fait des castings sur Skype. Et les deux sont venus chez nous. Ils ont habité avec un autre appartement. Je partage un appartement avec le chef op du film. Et donc ils sont venus à Munich pour 10 jours et on a essayé avant et tourné le film. Et c'était un peu comme un échange d'Erasmus, juste à tournage. En fait, j'ai fait une autre comédie qui était le premier épisode d'une sitcom. Mais ma prochaine projet va être très différent, plutôt documentaire, parce que je vais l'analyser d'où mon père vient originellement pour faire ça. Et donc, c'est une autre. Je vais m'essayer dans un autre genre qui c'est plutôt un drama. Right.